un gros nez rouge, deux traits sous les yeux, un chapeau qui bouge, un air malicieux, pan pan pan, deux grandes savates, un grand pantalon, et quand ça me gratte, je saute au plafond, youpi ! Ta gueule ! Je suis totalement désolé de vous avoir entraîné là-dedans, c'est de ma faute, j'en ai pas dormi depuis la nuit. Au début, je le sentais pas, ton histoire. Génial, j'adore! C'est trop bien! Mais attends, mais c'est hyper réaliste! Je suis à l'aise, je vais me faire faire un costume de cafard, n'ai jamais vu. C'est ridicule! Qu'est-ce qui est ridicule? Un cafard d'1m80 ou qu'il ait qu'une seule jambe? Attends, Eva, Martin a raison. Je veux dire, on va pas se priver de jouer devant des milliers de personnes sous prétexte qu'on n'est pas handicapé. Soyons sérieux, c'est une raison de merde ça! On va jouer au Stade de France! Non, moi je marche pas dans vos combines! Mais si, t'as qu'à prendre un handicap soft! Tiens, aveugle par exemple, c'est très simple! Mmh. Hein. Hors de question qu'on ne voit pas mes beaux yeux asphalte aux interviews! Mon regard, c'est mon atout de séduction! Je vais t'en trouver un d'handicap! D'accord! Ok, caca, regarde, je suis aveugle. T'es content là maintenant? Je fais bien, non? Oh, pardon. On est là. Pardon. Comme ça, je verrai plus ta gueule. Et tu sentiras plus aussi ton odeur. J'aimerais bien perdre mon odorat. Je vais faire ça, je vais être sourde. Enfin, pardon. Malentendante. Comment? Non, mais Marie-Louise, t'as pas besoin de chercher de handicap, hein? Tu l'as trouvé il y a 3 mois. C'est bien ça, hein? Bien. Oh, je suis de retour pour l'audition. Comme sur des roulettes. Fais chier. Elle va me voler la vedette. Monsieur Huberlu ? C'est moi. Suivez-moi. Huberlu ? Ne vous en foutez pas la gueule, les gars. Parce que dès le début, on t'a tapé dans l'œil. Je m'en reparle. Vous voulez jouer, épouser Huberlu. Huberlu, oui. Oh, t'as la berlue. Bonsoir à tous. Nous sommes au Stade de France en compagnie de toute la troupe des courgettes. Une troupe de courageux handicapés qui entrent dans l'histoire après avoir joué dans magnifique pièce La Vierge et le Cafard. Non, arrêtez tout, c'est des escrocs, c'est n'importe quoi. Regardez ça, c'est quoi ça? Elle voit très bien. Mais où suis-je? Oui, c'est celle-là, tu vois? Oh mon Dieu, je vois. Oh, c'est un miracle. Hubert m'a redonné la scène, mon sauveur. C'est pas une main, ça, maman, regardez. C'est maman, pas une main, ça. Je la cherchais partout. Quoi? T'entends pas? Hé, là, tu m'entends, là? Tu m'entends, là? Non, je n'entends rien. Elle est vraiment handicapée, elle. Elle est vraiment handicapée. Tu veux toujours pas remettre tes vêtements? Non. Je vais quand même pas rentrer dans cette salle et te présenter devant un jury. Écoutez, je vous ai demandé à tous de venir tout nu. Ça aurait eu beaucoup plus d'impact auprès du jury. Et visiblement, dans cette troupe, il n'y a que moi qui ai le courage de mes opinions. Je suis pas épilée. J'ai l'air de quoi? J'ai l'air d'un con tout nu. Ouais. En plus, j'ai froid. Ah, je vois. Bon, les journalistes ont trouvé la pièce fantastique. Mais sois lucide, s'ils l'ont trouvée fantastique, c'est uniquement parce qu'on était handicapés, c'est tout. Vous avez vu la tête d'Hubert? Il nous a même pas chambré. C'est pas bon signe. Tu es la honte de la famille. On te déshérite. Et mets un slip. Non. Mais t'inquiète pas, William, ça va bien se passer. Ouais. J'ai un gros nez rouge, deux traits sous les yeux. Un chapeau qui bouge, un air malicieux, pan pan pan, de grandes savates, un grand pantalon, et quand ça me gratte, je saute au plafond, youpi! Bon allez les gars, quoi qu'il arrive, un pour tous pour un. Je les connais pas. Mais vous avez joué la Vierge aveugle? C'est eux qui m'y ont forcé. À Kancha prend de la drogue, Ulrich frappe des enfants et William se tape Martin. Votre sentence est la mort. Halte! Non coupable. Le jury vous attend. Nous tous? Oui. Ok, on y va. On a trop payé de TVA.
Les courgettes. Vous êtes bien foutus de notre gueule quand même, hein. Vous faire passer pour des handicapés, mais rien ne vous arrête. Il y a quand même un minimum de respect et de dignité. Écoutez, je suis le directeur de cette troupe. C'est ma faute, j'en prends l'entière responsabilité. Je confirme. Je me tiens devant vous, comme un homme digne qui assume ses actes. En tant que représentant du comité paralympique, nous tenons officiellement à sanctionner gravement votre attitude inqualifiable, qui mériterait des excuses publiques. Par conséquent, une amende de 300 000 euros pour chacun d'entre vous. Et soyez encore heureux que nous n'ayons pas porté plainte, car vous méritez aussi la prison. Coupe le magnéto. Ok. Bon. Officieusement, nous tenons à vous remercier chaleureusement. Car tous les ans, on galère pour faire de l'audience sur les jeux paras, qui, on peut le dire, n'intéresse personne. Ça vous intéresse, vous, de voir des lanceurs de javelots en fauteuil roulant? Oui. Oui, carrément. Bon, alors, on s'était dit, pour cette année, une cérémonie d'ouverture avec les artistes handicapés, ça allait exciter la presse. Mais vous avez engendré une telle polémique, vous avez créé un tel buzz, mais on parle que de nous. Martine, allez, les chiffres. Ça, hein ? Écoutez bien. Alors, hier soir, NCIS, hier soir, 2,8 millions, les experts, 4,6, et les jeux parents, 5,3. Et dans ton cul, les experts ! Dans ton cul, NCIS ! Depuis ce matin, on parle des jeux paras, on regarde les jeux paras. Ce soir, on va même faire le prime time. Le directeur m'a appelé personnellement pour me l'annoncer. Il m'appelle jamais. Bon, bah alors, par conséquent... Officieusement, on annule l'amende. Mais vous devrez quand même faire des excuses publiques. Et habillé cette fois-ci. Oui, monsieur le juge. Allez, appelle-moi André. Allez, cassez-vous. Allez. Écoutez les gars, écoutez. Cette aventure m'a grave inspiré. J'ai envie d'écrire une pièce sur la justice. Qui est avec moi? Oui, tu m'envoies un petit email et puis on en reparle. Mais là j'ai pas le temps, je dois filer. Bye bye. Ok, moi je vais chercher mon fils. Hein. Ah, Ulrich, attends-moi. Toi tu parles là? Bah oui, là je me suis dit que vous auriez besoin de moi. Et bah, mais les gars, avec ma voix, ça va carrément faire. Et les gars, les gars. Écoutons maintenant William du collectif Les Courgettes. Nous tenons donc à nous excuser publiquement pour cette malheureuse initiative dont nous sommes les premières victimes. En effet, nous avons subi la mauvaise influence du comédien humoriste Hubert Lu, car je tiens quand même à préciser que c'est Hubert Lu qui est à l'origine de cette mascarade. Hubert, si tu nous écoutes, nous ne céderons plus jamais à tes manipulations. Et un jour tu paieras, toi aussi, pour toutes les injustices que tu sèmes sur ton passage. Personne n'échappe à la grande dame justice. Personne. Hubert, tu paieras. Comme nous. Maman, tu paieras.